Bonsoir. Petite vidéo que je vous fais là ce soir pour expliquer comment paramètre le pilulier parce qu'il arrive avec une notice qu'en anglais. Donc ça pourra aider certains. Donc lorsqu'on reçoit le pilulier, il n'y a pas d'affichage. Donc soit il y a quelque chose qui protège la pile à l'envers et à l'intérieur, ou dans mon cas, il fallait maintenir le bouton mode appuyé pendant 5 secondes. À partir du moment où ça a appuyé pendant 5 secondes, eh ben, on met en route l'affichage. Donc l'affichage affiche soit l'heure, soit l'alarme 1, soit l'alarme 2, alarme 3, alarme 4, alarme 5 ou un chronomètre. Fonctionnalité très pratique quand on a des médicaments à prendre par exemple, à 2 heures d'intervalle. Voilà, on peut régler, moi c'est ce que je vais faire. Donc l'affichage est en route, on repère dans quel mode on est. Donc là on est dans le mode où on affiche l'heure. On maintient 2 secondes appuyé le bouton mode. On nous propose de choisir un format 24 ou 12 heures. On appuie sur mode pour valider et puis on règle l'heure. Par exemple, moi, il est 21h16. Voilà. Quand c'est fait, on appuie sur mode, c'est fini. À chaque fois qu'on appuie, donc on change d'affichage. Donc une fois, voilà, alarme 1, alarme 2, alarme 3, alarme 4. Par exemple, je veux régler l'alarme 4, donc je maintiens. Je vais régler l'alarme 4 à 1h du matin. Je valide. Voilà. Et quand on revient à l'affichage du départ avec l'heure, eh ben on voit que j'ai réglé 4 alarmes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.